C'est bon? C'est bon, t'as un... on est parti? En direct, La bombe. Fais péter les carreaux, bombe. Allez, ben en tout cas, rebonjour à tous. On va vous présenter la triplette. Il faut gagner deux triplettes du côté de Vanvelin pour passer au grand 8. Donc ce sera Calais de la Cale, Myron Bodino, Mika Bonetto, opposé à Romain Fournier, Raphaël Ripen et Kevin Malbec. Donc c'est du costaud hein, des deux côtés. Une partie où c'est qu'on peut encore se régaler. Allez, n'hésitez pas, hein. C'est la dernière partie de la journée. Il faut qu'on se régale les amis et que tout le monde en profite. C'est ça le but. Allez, t'es déjà 3000 supporters. Allez, partagez. Faut partager. Ah oui, là faut pas hésiter. Hein. Là, vous avez quand même le grand Kevin Malbec. Vous avez le grand Romain Fournier. Avec Raphaël Ripen. Ah là, il y a que des. Et en face, vous avez l'avenir. Avec l'expérience Khaled. Il n'y a que des champions de France là. Ah oui. Il n'y a que des champions de France, donc c'est pas compliqué. On est bien là. Attends. On compte sur toi pour nous mettre encore mieux. Allez, petit jour. Allez, c'est parti. Allez, donc. C'est parti, on va partager un peu de parcours. Que des champions de France hein, dans cette partie. Donc. On partage, on s'amuse les amis. On va essayer de vous faire vivre une super partie. Pensez à moi les gars quand j'ai envie de pisser. Tu me le dis ? On pense à toi, mais on pense tout le temps à toi Joël. Le problème c'est qu'on y pense trop des fois. Ça partage sévère. Non, ça joue. On se croirait presque à la télé. Eh oui. En tout cas, merci au club de Vaux-en-Velin pour son. On est tout à fait d'accord. Merci au président Fred. Super, super terrain, super boulot de Romain. Enfin, pétanque-drôme, on va dire, c'est magnifique. Hein. Les tribunes en haut, vraiment. Je vous souhaite de venir faire des concours ici. Vraiment, c'est top du top. Allez, ça va être parti, je pense. Dans pas longtemps. Allez. On compte sur Kevin et Romain et Raph pour nous donner du spectacle et essayer de qualifier leur équipe. Et pas bon. Je pense qu'on va pas jouer loin d'entrée. Hein. Ah, Emmanuel Terrain, bonjour, bienvenue à toi avec nous. Allez, on va se régaler, vous allez voir une très belle partie de pétanque. Je sais pas s'il est bon, je sais même pas s'il va s'y mettre. Là, ils ont réduit sévère. Hein. Ouais, on connaît la stratégie de jeu. Hein. Ah, il y a différents. Hein. Tirer le but, non? Ah bah oui, je crois pas. C'est trop près. Non, il va essayer de venir le faire beau. Bah ben non, Romain, il demande de le faire pas beau. Ah bah moi, je le ferai beau parce que tu prends le carreau, tu tires au carreau. Là, ce qui serait bien. Non, c'est le contraire. Tout à fait différent. Hein, pour, hein, pour Nice 2 pour Vanvelin, exactement. Eh ben c'est Mika qui tire. Allez, Mika, je peux vous dire, il a fait tourner le doublette là-bas en tapant le but. À 2-6, il a tapé le bouchon et il a fait tourner le doublette et ils ont pu marquer en face. Jordan avec. Il a peut-être pas pu passer. Je sais pas. Myron. Elle a pas passé. Elle commence déjà à m'acheter. En
me prête une chaise du coup. C'est gentil. Allez, bah qui c'est gentil. Oui, c'est gentil. Ouais, bah Khaled, lui, il a pas cherché à le faire bon. Il est venu 60 derrière le bouchon. Si, tu peux la tourner. Hein. Ah non. On va tirer. Hein. On se démonte pas. Hein. On se démonte pas. On va tirer. Allez. Tu viens le gagner à 40 devant, tu prends le carreau, t'es condamné à pointer. Ah bah, je sais bien, mais bon. Celui-là. Enfin, là, c'est pareil, il faut tirer jusqu'au bout. Mais ils partent dans l'idée de pas être capable. Oui, mais bien sûr qu'ils sont capables. Il a fait casquette, il est malheureux hein, quand même. S'il est en dessous, il fait recul, sorti, il a fait casquette et il a pas fait passer. Allez, partagez au maximum, les amis. Hein. Hein, vous pouvez en mettre plein les yeux. Audio de commentaires. Bah non, même, on a Ludo. Ludo Lucignol, le patron du groupe Pétanque, qui a re-signé aujourd'hui, qui m'a dit qu'il a re-signé pour 5 ans avec le groupe. Du coup, il est revenu sur sa décision et ça fait plaisir. On savait qu'il n'allait pas nous abandonner comme ça et merci à lui pour tout le boulot qu'il fait. Excusez-moi, j'ai pas vu. Vous verrez bien dans l'avenir. Des surprises arriveront. Ils ont décidé de pointer. Ouais, il joue un peu plus là. Bah, tu sais, avec Khaled, il y a l'expérience quand même. On part pas tout azimut. Et puis, le problème, c'est que là, si tu prends le carreau, il va falloir. Eh oui, mais attends, les carreaux, il n'y a pas que des carreaux non plus. Bien sûr, mais ils sont plus capables que nous. Oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, mais bon, les carreaux. On va rappeler aussi l'absence quand même de la grande marque de Kevin Prudhomme qui n'est pas là aujourd'hui. Ouais. C'est sûr que. Je pense que ça aurait été un peu plus animé. Ouais, bah je sais pas après. Marine, tu viens commenter avec nous? Ouais. Allez, viens. Tu me donnes un masque? Un masque. Un masque, si tu veux, non, je te donne un masque. Bah, viens commenter si tu veux. Bah. L'autre fois, tu m'as fait profiter de la partie de. C'était moi, du coup, sur. Tu sais, quand je t'ai dit. Quand il jouait avec le petit Dawson. Tu sais, je t'ai marqué, je te verrai à. Ouais. Tu te rappelles? Oui. Non, c'était où à 7 non? C'était où qu'ils ont gagné avec Myron Non, c'est pas à 7, c'est à Martigues. À Martigues, ouais. On prend rien d'autre. Ah, à Martigues. À Martigues, je t'ai dit, je commenterai moi. Je te rappelle pas? À la pétanque, mais j'en ai pas. Ah, bah, tu peux faire que ça, toi, de toute façon. C'est dans le ventre plutôt. Toi. On m'entend là? Oui. Mais bien sûr. Bah, bonjour, hein, Marine. Ma compagnie de Marine Bonneto hein, maintenant. Ouais, c'est voilà. Ça. Ouais. Donc la championne de France doublette mixte, qui est venue en compagnie de de moi du coup, de m'aider à commenter son mari, Mika. Voilà, donc merci. Mais je suis fair play, hein. Je suis pour le bien joué. Bah bien sûr, il faut. Mais on sait où il est ton cœur. Hein. Bah bien sûr, bien sûr. Ouais, mais en tout cas, de toute façon, toute l'équipe. Hein, et puis bon... Mika, on connaît aussi sa gentillesse. Hein. Mm-hmm. C'est l'un des seuls joueurs, enfin pour moi, de haut niveau qui prend ce sport comme un jeu. C'est ça. Tous les autres, ils le prennent un peu. C'est bon, ça. Voilà. Alors que lui, il le prend vraiment, il s'amuse en fait. Pas la tête. Voilà, il s'amuse. Il gagne, c'est très bien, il perd, ben voilà. Exactement, c'est pas donné à tout le monde, hein, ça. Hein. Et c'est pour ça que pour ça, c'est super. Et ben ouverture du score pour Van Oblin, du coup. Un point. Et si tu dois rentrer, il va falloir que tu partes en courant. Hein. Pourquoi? Et si tu peux rentrer là-bas, triplette mixte. Ça peut arriver. Oui. C'est pas moi. Tu vas où? Non, je reste là. Ah, tu veux pas t'asseoir? Tu veux changer de chaise? Non, c'est bon. Tu veux juste te mettre sur mes épaules. Mais on le décale, l'écran. Tu vois, pour faire quoi? Ah, merde. Oui. Mais tu vois là-bas? Le problème, au milieu de nous deux, il n'y a pas trop de place. Hein. Allez, bien joué. Bien joué de la part de Raphaël. Il s'est accroupi alors qu'au tête à tête, il les envoyait. Et je trouve qu'elles répondent mieux quand même en demi-donne. Ouais, il n'y a pas besoin de les envoyer en fait, ouais, hein, tu joues. Exactement.
De quoi je peux l'enlever? Tu peux le décaler. Mais c'était bien, je vois, moi. Je vois plus rien maintenant. Voilà. Ah, parce que, non, mais si elle veut. Jeux, mais toi, tu veux voir quoi? Le revers, quand même. Ouais, oui, il y a plein de boss. Mm-hmm. Il y a plein de boss, mais je pense que. Après, ça répond bien, mais de les envoyer, ça sert à. Enfin... Ouais, de mes portes, ça suffit. Voilà, ouais. Toi, t'as eu du mal un peu au début de mix, ça a démarré, ouais, après, ouais, tu t'es ouais. mis à bien jouer. Ouais, après, on s'est mis dans la partie. Mais... Allez, Mika qui va tirer la boule. 25 sur le côté. Bien tiré. Bien tiré. Après, ils ont un jeu un peu moins d'attaque. Du coup, avec Khaled, il y a plus l'expérience de toujours avancer ouais, une boule. Ouais, 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 ouais. Mais ouais, c'est bien, c'est Khaled, bien. Aime beaucoup mener le jeu. Bah oui, ah, bah après, il joue pas d'aujourd'hui, hein, Khaled. Après, c'est pas plus mal, parce que la sortie, quand tu cadres, t'en as deux à chaque fois. Alors si tu tires tout de suite, même si tu fais carreau, ils peuvent retirer, c'est pas pareil, la journée. Là, je crois qu'il n'y avait que des champions de France hein, sur le terrain. Ah, super. Bravo, Raph. Allez. Et c'est bien tiré encore. Et ben voilà. C'était prévu. Ah ben, il a bien embouchonné, Raph. Et on va le rappeler, Nice, c'est votre première triplette. Hein. Oui, exact. Oui, oui, exact. Exact. Hier, on s'est arrêté aux doublettes. On a fini à 9h30 hier soir, elle est partie très tendue. Oui, oui, oui. Vous avez fini tôt? Lui, mais, lui, il m'a dit ils sont couchés tôt. 5h, on était, ils sont couchés tôt. Je ne crois pas, moi, que vous êtes couchés tôt. Non. On a été quand même manger au restaurant, se remplir. Mais on s'est couché quand même plus bonheur. Ouais. Ah, puis il y a moins de fatigue aussi, quand même, mine de rien, parce qu'eux, ils ont cravaché. Mais bon, après, ça n'empêche pas que... Hier matin, on a gagné 5 tête-à-tête, et hier après-midi, 5 tête-à-tête, ce qui nous a permis de gagner en gagnant les triplettes. Ben oui, ça va plus vite. Vous avez fini votre doublé de mixte ou pas, vous, le matin? Le matin, ouais. Parce que je suis... J'ai regardé un petit peu, mais... Ah bon, ils ont gagné? Eh ben super. Ben bon, sera au grand 8, hein, du coup. Okay. L'info de Cassou, Cassandra Gorini. La... Éducatrice, je crois, ou... À Bron, hein. c'est la maman de tous les petits de Bron. Et les adultes aussi, ouais, elle coach tout à Bron. C'est la chef de Bron. C'est la chef des coachs de Bron. Et Khaled, elle est un peu montée celle-là. Ah oui, la sagesse, Mika, elle avait déjà mis le sable devant la boule. Ouais, ouais. Khaled, il lui a dit, hop là, on va en pointer ouais, une ouais, autre. Tout à l'heure, pareil. Et puis, il arrive vraiment à bien rectifier, donc c'est cool pour le coup. Khaled, expérience. C'est ça. C'est clair. Plusieurs participations. Bravo. Master. Oui, et puis en plus, champion c'est du monde, champion du monde, exactement. Peut-être il joue un peu moins aussi, non ou... Non enfin, bah, comme, après, voilà, ouais. Comme on n'est pas dans la région, on le voit moins souvent, mais... Il doit jouer quand même par là-bas. Oui, voilà. Il joue beaucoup sur Nice. Oui. C'est genre... La semaine dernière, quart ou demi à Grenoble. Comment? Quart ou demi à Grenoble. Toi? Quart. Je m'en rappelle plus. Quart. J'ai dit quart ou demi, parce que c'est en finale, je t'ai pas vu. 9 à 9 en quart, et puis on fait une mauvaise semaine, on en part 4. 9-4. Contre, alors là, des défis que je connaissais pas. Ça jouait pas mal, hein. J'ai pas suivi, moi j'ai juste. On n'entend pas Marine. Marine, faut que tu parles plus fort alors. Ah, ok. C'est pas bon d'être timide. Non, mais je suis pas timide, c'est comme. Je suis pas timide. Non, non, généralement quand même, je suis pas timide. Bon, hein, ça mais, moi je suis timide, mais bon. Mais je me soigne. Saint-Julien, c'est 6 à 12 après les doublettes. Qui ça? Saint-Julien. Ah, Saint-Julien, Saint-Alban. Il faut qu'il gagne quoi? Une triplette ou deux? Ah, c'est dur. Ah, du coup. En contre-attaque. Bravo, super. Ben, c'est marche arrière. Il y en a 3 par terre maintenant. 3 par terre, ça, on est encore sur une grosse semaine. 3 boules à 3. Ouais, boule à boule. Après, les points, ils sont peut-être pas très très durs à gagner, mais bon, même en les gagnant tous les coups, si on tire bien du côté des vainqueurs de la Marseillaise,
On peut faire une grosse main. Exactement. Très bien envoyé. Ah ouais. Raphaël Rippen, je le rappelais des souvenirs tout à l'heure, qui a été champion de France, lui, dans les années 90 avec. Ouais, avec Jean-Philippe Hernandez et son père Patrick. D'accord. Mais bon, je sais pas si t'étais né, toi. Que t'étais champion de France. Ah bien tiré, Mika, encore, sans le but. Parfait. Ah, il l'a sorti à merveille. Ouais, il a donné un sourire à Khaled. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Romain, on sait aussi qu'il lâche rien. Romain, c'est peut-être l'un des plus réguliers de France, mais il n'a jamais eu sa chance avec l'équipe de France. C'est dommage. Alors après, on n'est pas Romain sélectionneur. Ouais. Ouais, il a du talent. Parce qu'il y en a qui sont surcotés, mais lui, je pense qu'il est un peu sous-coté. C'est le seul qui a gagné. Envoyé à perfection. 36 parties, je compte 24. Il a fait devant nous le parfait. 2 ans et 10 ans. C'est énorme. Ouais, surtout que tu connais le mondial de Mio de tête à l'époque. Bah, c'était 2000. 2000 tête à tête. C'était pas compliqué avec tous les meilleurs joueurs de France. Il fait casquette, Myron. Ah, il est pas chanceux. Mais bon, c'est bien tiré. Hein. Fallait tomber dedans, malheureusement. Ouais, il y a un poil haut. Et maintenant, il y a de la place pour le gagner. C'est exact. Ça. Après, la grosse peine, elle s'envole à la sortie. Mais bon, Romain, il l'a mis où il fallait. Hein. Bravo, super. Bien joué. Et bah, boule de marque hein, pour Romain. Ah bah, dès que Marine elle arrive pour commenter, ça va mieux. Bientôt arriver à 1000. Il y avait du monde sur notre partie. Ah ouais, il y avait 500-600. Hein. D'accord. On montait à 600. Le problème, c'est que tout le monde fume un peu de partout. Donc les gens, ils sont un peu dispersés. C'est ça. Et ouais. Mais après, tant mieux, c'est mieux pour notre sport. Plus il y a de diffusion, mieux c'est. Bien sûr. Bah, c'est dommage, bien c'est sûr. Manqué. Mais un partout. C'est manqué pas droit, ouais. Un partout. On va vous donner le score de l'autre côté. Le score de l'autre côté, c'est 2-0 pour le triplet mixte de Daniel Rizzo, Jean-Philippe Buche. Et j'ai pas le. C'est Fabienne. Fabienne, d'accord. Mais je l'ai pas commenté. Et toi, tu fais que le doublette en principe. C'est le principe, deal de la partie, enfin de l'équipe. Non, en fait, c'est vrai qu'on a très peu fait de triplettes, donc on n'a pas eu forcément l'occasion de dire voilà. Mais après, c'est vraiment sur le moment, voilà. D'accord. Là, c'est souvent elle qui fait le tête à tête. Ouais, puisque elle se régale en tête à tête. Mais c'est bien parce que vous avez deux féminines qui jouent quand même. C'est ça. Non, nous c'est essentiel d'avoir deux féminines. Non, puis. Je discutais un peu avec le coach, là, le grand coach, parce que vous avez. Il disait que vous avez quand même une équipe de copains. C'est quand même. Même exact. Que c'est du haut niveau. Mm-hmm. C'est important, voilà, c'est ça. C'est important aussi dans. Dans la cohésion d'équipe. En fait, c'est dans les moments durs, justement, que c'est important ce truc-là. Ouais, puis on s'encourage beaucoup, on se connaît bien, donc. Non, on a une bonne cohésion d'équipe. Ouais, oui. C'est dans les moments durs que de toute façon qu'on ressent ça. Si on n'a pas ça, on ne peut pas se surpasser les uns pour les autres. Exact. C'est bien tiré de la part de Kevin. Il a chiqué. Enfin, il a fait de la place, on va dire. Allez, Raphaël Rippen. Ah, c'est bien joué. Ouais. Super bien joué. C'est carreau en place. Bravo. Impressionnant, c'est super bon. Ah ouais. J'aurais dû faire carreleur, t'en aurais des carreaux. Tu parles. C'est pas con ça. Ah,
Ah mais là en tout cas on s'est régalé tout le week-end, on a vu des parties. C'était bien, hein, que des parties serrées et bien, Mickaël est en forme. Ça fait plaisir, ben oui, c'est... Marine, elle nous a dit ils sont couchés hier à 18h30. Alors il peut être en forme. C'est ça, on a fait une nuit de 12h, 13h. Allez, cette boule qui est un peu. Celle-là, elle est belle à tirer quand t'es en forme. Un peu en l'air, en plus rafler les grosses boules. Un tir de précision. Ouais. C'est beau le silence qu'il y a à chaque fois que les gens vont tirer, il y a vraiment. Ah, c'est le respect. Hein. Ouais, c'est. Bravo. Ah, bravo. C'est très très bien tiré. En plus, il a cadré. TikTok, tu me l'enverras sur TikTok, celle-ci. Ah, oui, il a eu. Il y en a une de toi, de Grenoble. Ouais. Toi et ta partenaire. Oui, à Grenoble. J'en ai mis une. Ah, c'est toi qui l'as mise. D'accord, ok. C'est cool. Et ben là, on va se gratter la tête maintenant. Je sais pas s'il faut pas tirer un coup. Ouais. Parce que ceux-là vont peut-être pas le gagner. Quoique, ils ont un sorcier au milieu. C'était très bien pointé de la part de Raphaël. Ah, ben il faut les gagner. Le point est dur. Il y a 10 cm. Il y a 12. Ouais, il a pointé. Il a fait déjà de boule là-bas pour échapper. Mais le problème, c'est que. Vendboule, t'en fais pas tous les 5 minutes. Hein. C'est encore bien joué. Oh là, c'est joué parfaitement. Ah ouais, c'est dommage qu'il n'y a pas de connaisseur, il n'y a personne qui applaudit. Ni les carreaux, ni les reprises. C'est joué à la perfection. Oh bah 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 bah. Là, il y a du niveau là. Bah oui, là. On sent que. Il y a de la forme des deux côtés. Ouais, 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 là c'est. Je comprends pourquoi tu tires pas au triplet. Voilà. Là on est sûr que chacun est à sa place. Ah ouais, ça envoie. Tu vois, ils disent tous pareil, ils dorment les supporters. Ah oui, oui, là c'est. C'est vrai que pour un 8ème de Coupe de France et tout. Non, puis surtout des mains comme ça, des points gagnés à 10 cm, des carreaux. Il n'y a pas beaucoup de public. Hein. Personne n'a plus de nom, mais. Ils sont là-haut. Non, même. Même pas, il n'y a personne. Non, il n'y a pas grand monde. Pas très peu de public. Non. Après, c'est dommage de. C'est sûr qu'on pourrait, avoir le feu hein, avec des points gagnés et des frappes comme ça. Plus, ça bah, oui. Sans manquer de respect. Oui, bah, tu peux applaudir les belles frappes et les points gagnés. Hein, c'est pas. Et encore gagné. Hein. En tout cas, c'est. Il a encore gagné. Ah oui, il a gagné. Hein. Ah oui, il avait rien pour court. Ah, oui, il a encore envoyé à la perfection la boule. À l'époque où ils jouaient avec Savin et Sario, qu'est-ce qu'ils pointaient du match ? Ils les envoyaient toutes devant. T'as vu, ils écrivent bien, Stéphane ? Oui, je vois ça, ouais. Ils sont très beaux, ces dessins. C'est pas moi. Ah, c'est pas toi. Je suis pas dessiné. Moi, je sais pas écrire, pas lire et pas dessiner. Ah, il l'a gagné, hein ? Ah bah moi, j'ai dit, il me faut 1000 aujourd'hui. Marine, continue à parler pour que ça monte, hein, parce que sinon, on est cuit. Hein. Qu'elle mène en tout cas pour le moment, mène incroyable. On attend la suite. Ben oui, mais c'est déjà. Oh, c'est juste sauté au fil. Il a sauté au fil. Malheur. Boule à boule, hein, il faut tirer quand même. Ben, faut tirer, ouais. Khaled, il a tête à tête, il a mis longtemps à tirer une boule. Et c'est tapé. Ouais, c'est tapé. Hein. Bien, bien. Il en laisse deux, c'est très bien. Bien tiré encore. Est-ce qu'on va tirer dans les deux ? Tire dans les deux, c'est pas pire. Hein. Déjà, t'en tapes une, tu en prends qu'un. Parce que celui-là, c'est soit tu le perds des deux, soit tu le gagnes de toute façon. Ouais, il va tirer, c'est le jeu. Hein. Ouais, c'est le jeu. Et puis ça casse du point, même s'il y en a qu'une qui part. Voilà. Soit en pointant, tu peux laisser les deux pareils. C'est ça, exactement. Bon, c'est obligant de casser les deux. Après, faut pas avoir de contre. Hein, parce que contre, c'est 4 ou 5, je crois. D'ailleurs, t'avais pas envie d'arrêter, toi. Non, Après, c'est dommage de perdre une heure. Imagine, tu perds 13 à 12 une heure après. Ouais, mais moi, une partie que ça a rien. Toi. On est le seul sport qu'on finit pas les parties. Ouais. Oui, mais parce que c'est l'équipe. À choisir, je dis toujours on finit. Voilà.
Même qu'on ait perdu ou qu'on ait gagné. Hein. Mais pas du tout. En plus, Ludo, t'es pas le seul sport. Parce que quand tu vois au basket, tous les matchs de basket, la dernière minute, ils jouent pas pratiquement. Quand il y a 20 points d'écart ou des trucs comme ça, le match, il est fini. Enfin, il n'y a pas de truc. Et au hand, c'est pareil. Ça va quand même jusqu'au coup de sifflet. Oui, mais coup de sifflet, ça rime à rien puisqu'il joue pas. Il garde le ballon. Là, Et au hand, c'est pareil. La dernière minute, quand il y a beaucoup d'écart, c'est fini. Mm. Et c'est dommage aussi pour le... sur une mène à 6-7 mètres là, il n'y a pas loin. Ah là on est prêt, ouais. Là on est prêt. Président ? Président, il voudrait gagner 2 triplettes. Mais bon, c'est dur. Hein. Il y a des monstres en face. Hein. Mais non, ils volent pas. Ils volent pas. Celle-ci, bien envoyée. C'est un peu tanké devant. Ils vont tirer dessus, hein. Ah oui, voilà, de toute façon, s'ils ont mis à 6 mètres, c'est pour tirer en principe. Exact. Allez, et ben on va tirer tout de suite côté Kevin. Et ses petits palets dans le bouchon. Petit palet dans le but. Allez, réponse de Mickaël. Allez, petit point score quand même sur le triplet mixte. 3-2 pour Vonvelin, de Julie Saliba, Jordan Wolf et de Sébastien Calmel. Bravo. Tiré Mika encore. Le problème, c'est que c'est dur de dire bien tiré parce que tu as l'impression de le dire tout le temps. Ça laisse un peu de place pour tu le regagner. Tu quand dis même. Tout le temps bien tiré à chaque fois. Quand il manque jamais, c'est compliqué. Dire que depuis ce matin ils sont bien. T'as une personne qui est contente hein, si on passe pas. C'est mon trésorier. Ah oui. Ah. C'est pas grave, tu iras chercher les sponsors. Ouais, t'inquiète. Ouais. Ah, il te filera deux bouchons. Tu lui vends deux bouchons 3000. Non. Bravo. Ah, bien tiré. Bien tiré. Eh ben, on va pointer. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire ? Ça laisse le doute quand même. Hein. Il y a un peu de place, mais ça se rapproche. Hein. C'est ça. Bah, celle-ci est en plein jeu, elle est devant. Ouais. Un peu sur le côté, mais quand même. En plus, il y a une grosse bosse là sur la droite, ça descend. Ça veut dire que le jeu est plus vers la boule. Ouais. Le problème, c'est que si tu rentres dedans, ça sert à rien aussi. Hein. C'est bien joué. C'est bien joué. Bien joué. Aïe, aïe, aïe. Celle-là, elle est perchée. Celle-là, Myron, on va compter les tours. Je crois qu'elle va patiner. C'est oui, c'est vrai. Ils jouent tous les dons, doublette, les fédéraux. Ils jouent tous les dons, doublette. Les qualifs ? Ouais. Non. Mickaël jouera avec Ludo au Montoro. Ah oui, il y a Montoro qui a signé chez eux. Ça doit en rassurer quelques-uns. Et puis. J'en ai vraiment un Mika. Hein. Oui, bien sûr. Très fort. Bien sûr, bien sûr. Mais là, si ils jouent tous les deux, c'est un jouable. Ouais, mais c'est injouable. Comme un peu Rizzi, Rocher. Aïe, 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 aïe. Il a envoyé un peu loin. Il a un poil long sur la donnée. Ouais. Attends, je la vois pas mal jouer à la main, mais elle a accéléré dans la descente. C'est ça. Ouais. Ben là, elle a laissé les deux, hein, peut-être trois même. Hein. Ouais, deux certainement. Il faut venir dans le but. Hein. Celle-ci est là un peu plus serrée, mais. Ouais, elle a gagné. Il a envoyé juste. Passer la bosse, c'est ça. Tu le sais peut-être pas, Marine, mais Romain Fournier à l'époque où il jouait Christophe Sario et Andy Savin, je crois que c'était ceux qui avaient partagé le plus de nationaux à la file. Il en a fait une ou deux files. À l'époque, il y avait le grand Sachnage et tout. Bien tiré encore. Mais je crois que c'est même pas partagé, je crois que c'est gagné. Ouais, il gagnait tout. Il gagnait tout. Les derniers, il gagnait 8 ou 9 d'affilée, il gagnait tout. Il est pas vieux, Fournier. Il a la trentaine, non ? Oui, voilà, il a la trentaine, ouais. La Jamicaine. Ouais, un peu
plus chiant. Hein? Je sais pas. Non. Ah, peut-être un peu plus, ouais. C'est un peu plus, peut-être. Bah, de toute façon, il doit avoir l'âge à Sario, à peu près. C'est-à-dire 40 cette année. 40? Il y a 40, Romain? Oui, 40 cette année, donc je pense qu'ils sont de la même langue. Oui, ils sont pas par là pareil. Hein. Ah oui, 40 quand même. Parce que nous, on lui a donné 30 ans, mais autant. Mais oui, mais il y a tellement. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a tellement longtemps que. Bah, puis, non, mais il fait jeune. Il a peut-être 72. Ah, c'est très bien joué. Ça va faire 4, hein, non? On demande avec qui joue Myron au doublette. Myron au doublette, alors normalement, avec Jaquel Basile. Ah, oui. Le Corse. Le Corse. Santini l'a suivi, non? Ouais, ouais. Comment? Philippe, il l'a pas suivi? Non. Santini. Non, non. Ben non, parce qu'il voulait pas venir à Demuité la même année. Ah oui, d'accord. Donc voilà. Belle accélération. Et ben, 5-1. De 84? 40 ans, ben 40. 40 cette année. 40 cette année. Avant la rajeunie. On disait, quand tu tires, tu tombes 40 mm devant. 40 mm. 40 mm. Ça va. 40 cette année, ouais. Il est vieux. Hein, il est vieux. Et... Attends. Rigole pas, les commentateurs, ils sont encore plus vieux. Je suis bientôt à 50. 3-2 pour Vaurvelin de l'autre côté. Dans le mixte. Eh ben 5-1 dans cette partie, on se régale en tout cas, on voit du... Ouais, il y a du beau jeu des deux côtés. Il y a du beau jeu, ouais. Après, il y a une équipe plus offensive que l'autre, mais... Ah, bien joué Khaled encore. Khaled, c'est une valeur sûre. En plus, il est très gentil. On était à 1000, regarde, depuis que Marine elle parle plus, on est descendu à 600. Ah ouais, ça bug des fois, c'est chiant. Allez, eh ben Kevin, il faut enclencher un peu. Bien tiré. Ah, bien tiré. Ah oui. Contre-attaquer de suite. Oh là 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 là. Mais là on sent qu'il est bien dans sa partie. Ouais. Ouais, puis il sait en plus que sa femme elle est en sécurité avec les deux commentateurs, elle risque rien. Ils lui ont mis deux gorilles à côté. Allez, tranquille. Il a peur qu'on la recrute, mais nous on fait pas de carreaux. On est tranquille. Oh, ma femme, gros. Il est où, Matt? Qu'est-ce que t'as fait? Le score est entre parenthèses. Il a dit le grand Danny Montels. Oh là 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 là. Bravo, Raph. Ouais. Bah parce qu'au lieu de mettre un 5, t'as mis une parenthèse. Ça joue bien. Ah ouais, là. Comment va le pêcheur? Le pêcheur, il va bien, le pêcheur. C'est encore bien joué, hein. Oh là là là. Yeah. Papa, quelle partie! Ouais. Ouais, magnifique, c'est. Très très fort et très calme. Non, je joue pas. Je vais jouer aux cartes. Bien tiré. Oh, il est pas chanceux. Ah, s'ils l'ont gardé, c'est bien. S'ils l'ont gardé, c'est bien, parce que celui-là, il est plus dur à gagner maintenant.
Là, qu'est-ce qu'on fait? C'est facile les boules, hein, finalement. Mais c'est incroyable. C'est une main incroyable. Incroyable. Incroyable au point. C'est pas une main, c'est une partie. Ouais, bien sûr, mais cette main est. Ah ouais. Alors, on les posera à la main, ça sera pareil. En tout cas, niveau point, ils sont autant forts que niveau. Point tir, c'est ouais. Tout le monde dit le tir, mais là, ils ont fait quand même une main au point. Exceptionnel. C'est incroyable. C'est quand même embouchonné, ça peut bouger. Oh là là, elle a passé seule. Il s'en remet pas, Kevin. C'est chiqué. Ça touche pas le passe. Elle a passé seule. Sans le but. Le plus beau, c'est de tirer à la sautée et de faire carreau. Alors là, ça serait. Il y a encore un peu de place hein, pour. Oui. Pour le gagner. Un peu de place, t'as raison, il y a un peu de place. T'as dit le mot, un peu. Il y a 5 cm. Envoyer dedans, oui. Envoyer dans les boules, c'est pas une mauvaise idée. Là, mais oh, il n'y a pas 6 mètres là. Là, on a affaire à 6 magiciens. C'est pas l'été là. Non, mais. Ah ouais. Des endroits, il n'y en a qu'un, là, il y en a 6. Tu vois qu'ils vont tirer dans les deux. Regarde, je t'ai dit. Tu as dit qu'il va faire carreau dans les deux. Non, il m'a envoyé. Il m'a envoyé rien du tout. Et là, il a sorti le bouchon. Incroyable. Il est tombé où sur la scène? Il est tombé sur la scène. Autant c'était embouchonné, il n'a pas touché. Mika, il dit c'est normal. Il dit. Ah bah c'est sûr que le but était dans le coup. Hein. Ouais, mais bon, après, il était plus dans le coup, celle d'avant. Hein. Ouais. Là, il est. Parce que là, s'ils sortent pas le but, ils étaient. Quoi qu'il y en avait deux quand même dans tous les cas. Donc. On demande le diamètre et la marque de boule et le poids de Mika. Mais je peux leur répondre, c'est le bras, c'est pas les boules. Voilà, exactement. Non, mais le poids, non, les boules, ça a été quand même. Là, il adore les nouvelles qui sont sorties, les RCX. Ah, une nouvelle RCX, d'accord. Ouais, dos but. Lui, il joue en 72 680. Demain, ils achètent tout ça. Ouais. Voilà. Mais c'est vrai que niveau du défendant. Ouais, elles sont bien. Hein. Toi aussi, tu joues avec ça? Ouais. Elle s'écrase super. Du coup, vous êtes sponsorisé au but, vous, du coup? Exact. Depuis que vous êtes champion, enfin Mika peut-être d'avant déjà, mais. Alors Mika d'avant, et moi depuis que je suis. Championne de France? Non, la deuxième année, double championne de France. Ah d'accord. Première année, non? Non. Ah bon? Ah, ils voulaient que tu confirmes? Ouais, voilà, ils attendaient confirmation. Ils croient que c'était un accident. Comme beaucoup, hein. Ouais, mais c'est bien quand. C'est bien quand tu doubles au moins comme ça, et ça fait taire un peu du monde. Ouais, c'est sûr qu'on s'est encore régalé et puis ben oui, c'est des moments magiques en plus. Quoi, c'est ben c'est clair. C'est énorme. Mais ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il prend ça comme un jeu. Si tu joues normalement, tu te diras, oui, mais parce que tu joues pour t'amuser aussi. Enfin, pour t'amuser. Tu joues pour gagner, bien sûr, mais tu joues dans l'objectif de prendre du plaisir. Voilà. C'est ça. Quand t'es comme ça, tu peux tenter plus de choses et puis en plus. Et puis toi, moi je suis à l'aise avec toi, lui, voilà, tu vas faire mon jeu, je suis. Exactement. Pas, voilà. Oui, c'est qu'en demi, t'en as une ou deux à taper. Non, puis en plus, il fait ce qu'il veut, du coup. C'est pas ça. Toi qui vas lui dire. Non, voilà. C'est ça, celui qui mène son jeu. À taper, et... taper. Ouais. Une bonne respiration. Ouais, de toute façon, l'esprit d'équipe, il est important, et puis voilà, quand tu t'entends bien.
tiré encore. Elle était un peu en contre, elle était bien. Ouais, il a bien passé. Il a bien passé. Ah ouais, c'est une belle partie, hein. Attention, hein, ça joue bien au point, ils font un gros jeu d'un côté et au tir de l'autre. Voilà, c'est un peu. C'est un peu attaque-défense, mais ça joue bien des deux côtés. On va parler quand même un peu du triplette mixte. Parce que ils jouent aussi. On a le droit de leur en parler un peu. Donc il y a 5 à 4. Oh là, crocheté. 5 à 4 pour Daniel Rizzo. Donc toujours le prénom de la fille, je sais toujours pas. Fabienne, je vais y arriver peut-être demain. Et Jean-Philippe Buche. Et non Jean-Pierre. Jean-Pierre Buche, ouais, c'est ce qu'il m'a dit. Je me suis régalé au doublette mixte avec lui, il est vraiment agréable. Ah, il est bien. Il est vraiment agréable à jouer. Ouais. Et il a mieux tiré en doublette mixte qu'en tête à tête. Non, il a super bien tiré. Il y en a qui préfèrent jouer en équipe. Après, ouais, le tête à tête, c'est un peu. Voilà, c'est spécial. Tête à tête, c'est. Aïe, aïe, aïe. Perdu, je crois. Il a l'air d'avoir juste passé, ouais. Ouais. Deux boules à trois. Et allez, l'aspirateur est de retour. Ouais. Les gens, ils croyaient qu'il y avait des gens qui passaient l'aspirateur. Ouais, ils enlèvent les cailloux, mais il n'y en a pas. Eh ben, on va pointer encore hein, du côté de Romain. Je pense qu'on n'a pas bien le choix. Moi, ouais, t'as vu éclore à 7, alors un papillon. Ouais. Mais bon, tu veux. Il a éclos depuis un petit moment, mais là, il a été... À Martigues, tu veux dire. Pourquoi je veux 7, moi ouais. À Martigues, ouais. Il a été impressionnant. Hein. Ouais. Il était impressionnant. Puis ils sont régalés. Il a fait quart ou demi, humilié la dernière avec... Ouais, on a fait quart. Ah. On a fait quart. Ouais. D'ailleurs, c'est Mika qui commentait notre partie des quarts. D'accord. Ouais. Ça, c'est bien pour toi, ça, ce week-end. Ah ouais. Ça, c'est hommage à Jean-Luc Robert. Enfin, il y en a un qui a tiré, qui a envoyé une petite raflette. Ouais, d'ailleurs une bise à Jean-Luc. Nous quand on tire comme ça, c'est qu'on est à fond. Ah ben nous, c'est qu'on tire normal là, quand on tire comme ça. Oula, crocheté. Deuxième TikTok. Ouais, voilà, en vidéo. Exact. Ben oui, c'est pas des robots. Hein. Ouais, on n'est pas des robots. Ça rassure les gars. Le problème c'est qu'il faut pas que ça arrive trop souvent, parce qu'après tu peux plus jouer. Hein. Pas moi aussi. Ah ben moi ça m'arrive ça. Je deviens tout rouge et les boules elles partent du rond. Mais ta viande est comme ça aussi. Ta viande les crochettes des fois et celle d'après il va la renvoyer au but. Et moi c'est impossible. Mmh. Dès qu'il y a la télé ou un truc qui fait ça. Le problème c'est que tu te dis tu peux pas trop la retenir. Et... Ah c'est dommage qu'il n'a pas rectifié de suite. Bah, ils ont une main, ils sont une boule à une, hein. Ils tirent à la marque, c'est tout. Hein. Ah oui, mais bon. Oui, bah. Ah bah de une boule à trois, c'est sûr qu'ils étaient pas bien. Bah oui. C'est clair. Marque pas. Ah, c'est dommage, ils profitent pas de l'occasion. Mm-hmm. Disons que ça m'est. Tu je me décale un peu, mais. Non, c'est parti. Pour revenir au petit de Sam. Oui. On aura l'occasion de le retrouver aux côtés de Michael sur les nationaux de Draguignan. Toujours avec le même papy ou. Non, non. Dans une équipe. Dans une autre formation. Mais toujours aux côtés de Mika. C'est juste qualifié pour la carte. Celui qui va gagner là, il aura des belles rencontres à jouer. Bon, Préjus. Bah, de toute façon, pas dans les 8 meilleures équipes de France, ça va forcément. Saint-Tropez aussi, non ? Ils ne jouaient pas les 8e ? Ils jouaient les 8e, c'était serré aux doublettes. Et donc tu disais Draguignan et l'autre c'est quoi du coup ? Fayence, le régional de Fayence. D'accord. Cette année elle a été décalée je crois la date, non ? C'est début juin d'habitude. Le régional de Fayence il me semble que c'est le 15 et 16 juin de mémoire. Ouais, d'habitude c'est le premier week-end de juin en même temps qu'en Région Boutéon. Salut mon Sévan. Bravo. Ah Khaled il joue toutes les boules.
toutes les, je mets la table toutes les mains. Pas... Et bah allez Kev, il est un peu crocheté celle de là-bas, faut qu'il se mette à bien tirer celle-là pour pas se laisser décrocher. C'est dommage, ça, c'était une boule là-bas pour revenir au score. Pas droit encore. Ils partent mal. Ouais, mais je sais pas qui c'est qui est sur la touche. Hein. Il reste plus que le jeune, non? Ah, oui, ouais, voilà, ouais, c'est ce que j'avais pensé. Ouais, aussi. Je tourne avec Romain. Ils ont un remplaçant, c'est le petit jeune Tony Brunet. Je suis pas sûr que ça soit un cadeau de le faire rentrer dans le parc. Non. Ah, bah là, non, mais tu peux pas le faire rentrer. C'est mais... Saint-Tropez, un triplette à gagner, d'accord. Elle a fait gros jeu, Raph aussi. Hein. Raph, il a fait une partie. Ouais, ouais. Enfin, c'est une grosse partie, de toute façon, dans tous les cas. Il n'y a pas beaucoup. C'est peut-être Kevin qui est peut-être un petit peu en dessous, c'est tout. Il n'y a pas. Allez. Mika. Bien tiré, chérie. Non. Bien tiré, mon homme. Il n'y en a pas eu. Cadré. Ouais. J'ai l'impression qu'il tire pour les taper, non? Ouais. Une fois, il y en avait un, il nous a dit il faut jouer pour ne pas gagner le point. Ah oui? Ah bah ça, je suis arrivé, moi. Moi aussi, on me l'a dit une fois. Je suis arrivé, je l'ai mis à 4 mètres. Là, tu dis mais alors, c'est qu'elle en tire. Il dit que si tu le gagnes, tu vas prendre le carreau. Ah bah, pointer pour ne pas les gagner, c'est facile, ça. Enfin, c'est facile, ça va bien. Eh ben allez Raph, hein. En plus c'est loin mine de rien. Il est tombé dans la bosse. Vous avez vu, il est tombé en plein dans... Ouais. Il a perdu des deux à la sortie. Il est tombé en plein dans le dévers. Bien dans le triplet mix, ça avance pas très vite non plus, là-bas toujours 4 à 5, enfin 5-4 pour le case. Ils vont tirer le but, oh putain. Ouais, bon. Allez Romain. Allez Romain, il va tirer au bouchon. Ah oui, nous de toute façon on n'a pas tellement de parti pris. L'important c'est que la partie elle dure plus longtemps possible. Et que ce soit la plus belle, c'est pas mal. Oh, 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 oh comment c'est possible? Là, c'était bien tiré. Oh là là, où il est tombé? Lui, tu le connais pas, lui. Et celui-là, c'était lui le plus fort. Ouais. C'est Manfredo. Manfredo, c'était le plus fort. Il y a 40 ans en arrière. Ouais, oui, mais peu importe. Allez. Ah, lui, c'était un monstre. Hein. Oh, ouais, d'accord. Il jouait Willy. De Miguel. Il jouait Willy Chaplin, le père à Steven, qui était un phénomène aussi. Ouais, ouais. C'était l'équipe. D'accord. Chaplin de Miguel Boulogne. Pas droit. Ah lui c'était un monstre. Fred c'était. Il n'a peut-être pas été champion du monde junior, mais. Peut-être, je sais pas, mais. Ah c'était plus fort. Je crois qu'il a gagné Mio, hein, il me semble. Qu'il a dû gagner Mio. Ouais, c'était un. Ah ouais. Avec Willy, c'était injouable. Le père à Chaplin, c'était aussi un phénomène. Et ben là, ça va faire un gros score. Ça va une grosse avancée encore. Donc, bien joué. Bien joué, mais elle a perdu peut-être des deux. Je sais pas. Non mais ça fait la place, après tu joues non, tranquille. En fait il est pas sûr à la mesure qu'il soit. Oui il est pas sûr qu'il y soit mais après en plus il... Faut le mesurer. Fredo, oh, ils parlent de toi là, ils disent que t'es un phénomène là. Ah oui, Miguel c'est un phénomène. Ouais. L'alcool il est parti. Non. T'étais rond hier? Bah je sais pas.
L'autre il me dit, je t'appelle dans les caméras et tout. Qui c'est qui a dit ça? Ah non, c'est pas vrai. Ah je sais pas, moi j'étais pas là hier soir. T'étais là, il tapait dans les caméras hier? Non, il dort, ouais, il a dormi. Qui? Il n'y a pas eu de... Non, 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 non. Il n'y a pas eu de... Non, c'est vrai. Il a mis un, en fait, en dormant, il a mis un coup de pied dans le truc. Ouais, il y en a deux, à la mesure. Ouais, donc il y en a deux à la mesure. Il y en a deux, là? Ouais. Ah, pareil, ton appui. Celui-là, il est ouais, envoyé dans la bosse. Je ne comprends pas la technique de, la tactique de tirer le bouchon. Bah, c'est le jeu. C'est que ces gens-là, ils savent que ce sont des équipes comme ça. Si tu viens à pointer... Ouais, bien sûr. Allez, c'est pas déjoué de toute façon, elle est prête. Hein. Ils ont bien tiré tout le long. Ah, puis elle est prête en plus. C'est ouais, c'est là. Bah oui. Bah oui. Ouais, c'est celle-ci où il faut faire un petit effort. Il faut la monter un peu. Voilà, les planches elles sont assez hautes là, faut pas qu'on les prenne dans les guibolles. Hein. Ouais. Tu te mets devant Marine au cas où, hein. Tu me protèges. Le garde du corps. C'est pas mal. Oh là là. C'est pas mal du tout. Je sais pas si elle est sortie. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la courbe. Mais oui, il les monte. Hein. Ah, elle a mis une super courbe bah, parce qu'il y avait le bouchon devant, donc il n'y a pas pris de risque. Mais oui, il est obligé de la monter. Et pour la passer seule, tu es obligé de tomber dedans. Hein, sinon, Myron, il va pointer. Le mieux, c'est qu'il crochette celle-là, comme ça, il peut tirer à 5. pour avoir envie de tirer. Oh putain, pardon. T'as porté la guigne. Pardon. Il voulait tirer, c'est ça. Pardon. Tu dis que j'ai du métier, moi. Ouais, il a dit, il faudrait qu'il crochette celle-ci pour tirer 5 au carreau. Ben oui, j'ai du métier, moi, j'ai pas que... Ouais. Allez. Allez, hein, ce beau tir, là, de Myron. Ben, y a pas le choix, là, c'est presque un tournant de... Ouais, ouais. Enfin, un tournant, après, ils sont larges devant, mais... Celle-là, elle peut faire avancer, ouais. Pas droit. Pouf, je dois taper quand même. Et bah 4. 4 hein. 4. Il y a celle de Calette derrière. 4. Bah, dis ça. Ah ouais, faut démarrer. Et pourtant, ouais. il joue pas trop bien. Hein. Il joue bien. Hein. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais c'est au tir un peu. Kevin, il est un peu en dessous. Allez, on n'hésite pas à partager ce là, direct. Il y a pas un grand pointeur qui vient d'arriver. Monsieur Rigazza. Ah oui, Michel. Vainqueur du premier national de l'Alpe d'Huez avec Bernil et. Et je ne me rappelle plus. Le troisième. Perret, non? Oui, voilà. Bernil Perret. Oula, 6 mètres là. Hein. On n'a pas eu Christian Perret, tiens, allez. Non. Il a toujours pas remonté avec toi. Eh ben, allez. Khaled, 6 mètres. Ah là, ça va tirer pas. Là, ça va. Ça va ouais. La tactique, on la connaît tout ça. Ça dépend s'il vient à 5 mètres. Mais bon, Khaled, c'est pas du genre à venir loin. Hein. Lui, il vient après, il s'en fout. Honnêtement, avec l'équipe qu'il a, même s'il prend le carreau, ils vont les tirer. Bien sûr, bien sûr. Ça risque de bouger dès la première. Non, mais de toute façon, le jeu, c'est... Le jeu, c'est toujours de venir prêt. Hein. Ça met toujours tout de suite un peu la pression. C'est incroyable, les deux qu'il a. 10 devant, il a bombé. Pourtant, il a le tir quand même un peu rasant, mais. Ouais. Ben là, ça se gâte. Hein. Ouais, les 10 devant. Il faut qu'il rectifie celle-ci. Et voilà. Ah, elle a bien tiré, mais j'avais prévu, ben oui. Prévu le coup du bouffon. C'est après voir. Ouais. Non, ça oui, comme quoi de venir prêt, tu vois, ça donne l'avantage quand même, parce que même, bon, il fait carreau, le bouchon il bouge pas, tu peux encore tirer. Tu vois quand même l'importance du dernier tête à tête, on va y revenir dessus. Parce que si vous venez sans malheur de le perdre, ça faisait 8, avec une seule doublette qui sera encore devant. Oui, mais ils l'ont pas gagné, la doublette aussi. Ils ont gagné une de doublette. Qui? Non. Ah non. Oh, elle a pas fini. Oui, voilà. Tu pensais que Marine allait perdre, toi? Psychologiquement, ça aurait pu, tu vois, ça c'est important. T'as raison, on va la refaire ouais. À la fin. Ouais. L'orage arrive. Ah, mais Ludo, attention, c'est un sacré stratège. Nous, on l'a mis aux finances d'ailleurs. Ben non, c'est moi aux finances, tu l'as arrêté.
Ah oui. Pot, 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 pot. L'orage arrive. Ouais. Un câble de l'autre côté, une belle accélération de Nice qui mène 8 à 4. 8-4, ouais. Bien joué, Raph, encore. Ouais, Raph, il a fait sa partie, hein. Il a fait une super partie, Raph. Hein. Il n'y a rien à dire. Ah oui, il a pas manqué force, de force, Mika. Allez. Encore au tir. Eh ben, Mika. Pour vous, ah ouais, celui-là il est beau de message. Hein. Merci, c'est sympa. Alors, entre les deux. Entre la boule et le but. Ah ouais. Ah, de la boule. Non, mais, pas ouais. Droit. Allez, il faut rectifier maintenant. Il va faire un sujo. C'est la première qui manque, non ? Saint-Tropez qualifié pour les quarts de finale. Eh ben, sincèrement, j'ai presque envie de monter à Beauvais pour les équipes. Ouais, ben, c'était quand même un. Bron. Au moment, Nice a plus d'avantages que Bronvelin. Il ne faut pas vendre la grosse bourse avant la. Exactement. Ouais. Ah oui, c'est que bah, après. Il va y avoir du beau monde. Manque que moi Dieu là au milieu. Hein. Nous deux en commentateur. Ah bah oui, on peut y aller en commentateur. Max, j'ai jamais fait tant de finales depuis que je commente. Il y a Beauvais qui commentera. Ouais, c'est la Fédé, hein. Ouais. Ouais. Jean-Luc et Philippe. Ouais, bien sûr. Après, je sais pas si c'est une chaîne télé, mais. Ouais, on va aller en web, la Fédé. C'était pas mal pointé, c'est un peu gêné de la boule de. Ouais, et puis je sais pas, elle est montée, mais elle a bien roulé quand même. Hein. Ouais, je voyais plus court que ça. Parce qu'avant la fête ils en avaient pas et tu voyais rien. Maintenant c'est bien, au moins tu peux voir les trucs. Dans le mix il y a 8 à 4 pour Nice. Non, ils jouent un peu de l'autre côté et ils ont quand même 5 spectateurs qui le regardent. C'est vrai qu'il y a personne de l'autre côté. Ouais. Tu filmes les gens, ils doivent croire qu'il est vide le boulot. Mais je sais, ouais. Mais après je sais pas si c'est nous qui regardent ou la partie. Allez, Kevin il va essayer de le gagner encore. Ils sont encore deux boules à. Ah, deux boules à deux, remarque, hein, y a pas. Elle est dans la boule. Ouais, ouais, elle ouais, est remontée, celle-là. Elle est remontée un peu dans la boule. Elle est remontée, mais je sais même pas s'il a coupé le carreau derrière. Il y a peut-être toujours deux, hein, ça se trouve. On va pas être loin de la fin, hein, si ça continue comme ça. Bah là, dans tous les cas, elle aura carreau gagné, Myron. Enfin, carreau. Carreau presque gagné, on va dire. Enfin, il va envoyer un peu dans la scène, elle n'a pas bien le choix. Ouais, la scène est bien en face. Bah oui, tu sens que si tu veux qu'il fasse quoi là. Il vient bien la prendre. Ouais, il n'a pas pris la bonne encore. Bon, il a coupé l'autre de derrière, c'est sûr. Et bah, Myron, c'est le moment. Ça va le forcer à jouer à contre-main. Ouais, contre-main, ouais. Ouais. Moi qui les joue de la main gauche. Ouais, mais il est capable. Il est capable de tout. Dans la lunette du bas, là. Ouais, ouais. À moins qu'il joue carrément à droite en la tournant. Ah, il veut tirer. Ah bon. Non, tu vas pas. Tu vas les mettre les deux là. Mika va conduire, il a dit. Il faut qu'il l'ait bien précisé. Ils ont réussi à faire rigoler Khaled, t'as pas vu, t'es plié. Ouais, bien joué, hein, ça. Très bien joué. T'as pas gagné. Regarde, Khaled, il est plié, alors que c'est pas du genre à s'exprimer beaucoup, hein, ouais, Khaled. Ouais, ouais. Ouais, mais je pense que c'est un peu le truc entre Mika et Myron qui fait rigoler. Puis on voit qu'il est pas très serein quand même. À la pointe, il était pas très partant. Au final, bon.
Et là, je suis sûr qu'il va aller. Je l'ai dit qu'il fallait que je tire. Non, mais là, il va essayer de prendre le bouche. C'est quoi qu'il fait là? Il a tapé gagné? Je sais pas. Il va tirer. Il a tapé gagné alors. C'est aussi leur force. Et on fait deux quand même. On fait deux quand même. Hein. Elle a suivi. La cabane est tombée sur le chien. Et non, la cabane elle n'est pas tombée. Sort du maïs. Tu connaissais pas cette expression, Marie? Non, c'est quoi l'expression? La cabane est tombée sur le chien, si tu connais ça, non? Je crois que la cabane est tombée sur le chien. Ça veut dire que la partie est finie, quoi. Mais pas encore. Ça veut dire quoi, cette expression? Que la partie est finie, la cabane est tombée sur le chien, ça veut dire. Attends juste que la fin de la partie elle arrive. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah ça fait toujours 2, hein, 12. Eh bah 12 à 2. 12-1, 12-1 même. 12-1, et là-bas il y a eu quoi? Mais là-bas ils mettent 5 minutes pour pointer une boule là-bas, non? Là-bas ils prennent un peu plus de temps, ouais. Dieu. 8 à 4 pour le CAS. Bon, bah une main supplémentaire. Bah voilà. Hein. Midi 30. C'est parfait, je pars à 13h moi. C'est l'heure de l'apéro. Ah, Khaled qui pointe toujours aussi bien. Ah ouais, Khaled, il a fait un jeu. Il a fait un jeu énorme. Les carottes sont pas cuites aussi. Jamais entendu. Allez, faut qu'il essaye quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait là? Bon, il y a une rafle? Je crois que là, ils sont déprimés là. Bah on n'aura pas passé les 1000, hein. Je suis déçu. Non, on a failli tout à l'heure, 960. Hein, ouais, 974. Ah, c'est bien tiré. Bien tiré, ouais. Bien tiré, bien tiré. En espérant qu'on ne voit pas les bouchons. Là, ils sont partis dans les... ouais, ils sont partis dans les délires, là. Ah, c'est vrai que les deux bombardiers ils ont fait un tir exceptionnel, mais on peut quand même féliciter aussi Khaled pour sa partie au point. Hein, parce qu'il a fait. Oui, oui. Il leur a dit on fait comme ça, on fait comme ci. Et les deux jeunes ils ont écouté à merveille. Et du coup, Il a voulu marquer Brou, s'il a marqué Brou. Ouais. Brou, je connais pas. Si, Brou, je connais, c'est Mathieu Brou. Mathieu Brou, c'est un joueur de Lyonnaise, mais il voulait mettre Brou, hein, c'est sûr. Et il a gagné. Il a gagné, mais bon, ça permet de. C'est ta faute, il a dit. T'as pas partagé. T'as pas partagé le direct, voilà. C'est ta faute. Mais ouais, si t'avais partagé, il y en aurait. Et ben voilà. J'ai investi dans un petit pied là. Et quand j'accompagne Mika et que je joue pas, je fais profiter un peu tout le monde. Ben oui. Ça arrive que j'ai du monde en plus sur mes directeurs. C'est un club. Brou sur Chantereine. D'accord, en quart de finale. Cours. C'est pas trop bien joué. Non, elle est remontée. Ouais. Là, parce qu'il a fait un bel appoint aussi tout le long. Et là, celle-là, elle est un peu plus montée. Elle avait un peu la place. Quoi. On va tirer au but. Non, tire pas au but. Je sais pas. Si tu veux faire. Prends 3 fois, t'as perdu. Mais on connaît 4 qualifiés déjà pour les quarts. C'est 4 qui en manquent. Ah oui, ouais. Cyril Laurent, c'est bien ça. Cyril Laurent, ça joue bien, Cyril Laurent. Brou de Chantereine, c'est vers Paris, ça, non? Allez, on tire au but du côté Kevin. Et ben voilà. De toute façon, il en a 2 pour tirer. Ouais, 2. Et pour le mixte, c'est 8 à 6. Pour... Ferme la bouteille. Pas mal. Oh là là, bravo. Voilà, là tu peux lui dire qu'il exagère quand même. Ouais, non. Parce que Ripen, bah oui, pas du tout, il est super bien pointé. Oui. Mais oui. Ouais, et une boule catastrophe. Bravo, Kevin. Tout le long, peu cher. C'est une des seules qui
jeune. Exactement, c'est très fort, Adeline. Très, très balle à point, Ripen. À côté, moi, je trouve qu'on est facilement critique dans la pétanque. Ah oui, oui, bah oui. Bah, c'est plus facile d'être derrière l'écran, on va dire. C'est vrai, c'est que vrai. Nous, on n'a jamais fait autant de finales avec lui. Ah, moi, je fais toutes les finales, moi, depuis que je commente. Toutes les fais. Avant, on rentrait toujours au bonheur, toujours à la part. Non, il a fait un très, très bal à point. C'est vraiment une des seules qu'il a... Ah bah t'as il a Cédric. Pas bien joué. Ouais. Salut Cédric. Bah, les championnats en mars. Je viendrai essayer de les voir parce que je dois me faire opérer moi du poignet, donc je sais pas. Cette année normalement je devrais pas jouer. Donc mais j'irai vous voir et si je peux vous filmer, ben je vous filmerai. Ouais. Bien tiré encore. Ah non, c'est bien. T'as en dalle, tu veux. Une mission de trépied pour le téléphone. Là, tu t'assois à la buvette. T'assois à la buvette. Tu commandes de la buvette. Ah, un événement. Ouais. Bon, Khaled est un minute à plus de 60. Ah, Cédric Bier, c'est le plus beau joueur de la région. Le playboy du groupe. Ah bah là, ils sont énervés. Ils sont partis pour tirer tout ce qui bouge. Bien tiré. Quand une équipe comme ça, c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Ah bah oui, mais le problème, c'est que... Les deux premières sont tirées. Oui, mais le problème, c'est que Khaled, à chaque fois, il a pointé une, il a pas pris. Ils ont fait carreau, ils en avaient toujours deux par terre. Donc, c'est compliqué, après, de repartir l'attaque. Et si un jour, tu veux, pour faire ton adversaire, on a une table de message. Ah... Ah, mais... Je manquais pas. Je on ira... que ça, là. Ah, mais si tu vas avec ça au mariage, au bout de 5 minutes, il n'y a plus personne. Ah non, au mariage, il y avait un. Ah, très bon. Ah oui, il y avait un DJ. Il vaut mieux. Si tu mets les signaux en DJ, ton mariage, à 9h, il est fini le soir. Et Raph, il n'a pas tiré une boule de la partie aussi. Hein. Mais bon, il est chic. Il n'est pas non plus en régime. Allez, hein, Kevin qui retourne au bouchon. Allez, Kevin. Allez, Kevin. Eh bah, ben, Kevin, il va tirer au but. Hein. C'est encore manqué perdu. Bah oui, là-bas, ils se disent... Ouais, à chaque fois qu'on tire au but, c'est chiant, parce que là-bas, tu te dis... Ils attendent de... Bah, s'il le manque, c'est fini en même temps. Ouais, c'est ça. À moins que s'il y avait Marine de l'autre côté, elle dirait, moi, je finis la partie. Bravo, hein. Tu vois, Adélie, tu leur donnes un buvert et le manque jamais. Hein, Adélie, tu leur donnes un buvert et le manque jamais. Ah, c'est très bien, tu vois, en parent. Ah ouais. Avec les encouragements de son Lyonnais, équipe. Un buvert, le manque jamais. Hein, des Lyonnais, un buvert, le manque jamais. C'est bien, ça fait une mène de plus. Bah oui. En tout cas, vous partagez pas, hein, ceux qui sont en direct. Hein, vous dormez tous. Hein, alors que c'est une partie magnifique. Vous pourrez la revoir sur YouTube. 12h35. Ça va, j'ai 25 minutes encore. C'est l'heure des 12 coups de midi. Ouais. Non, ah c'est ouais. L'heure d'aller ah se merde. Remplir. Il regarde Reichmann. Au lieu de les écouter, il regarde Reichmann. C'est l'heure de se remplir la pensée. Les Parisiens. Et se lâcher, là. La remontada, vous y croyez, moi je suis supporter des Parisiens. Ah oui. Ah bah oui, si t'es supporter des Parisiens, t'as dû en voir une de remontada il n'y a pas longtemps. Oui, hier soir. Au basket. Ah bon ? Monaco avait 9 points d'avance, en demi, ils ont perdu le match. Oh, 9 points, c'est rien. Et quand ils avaient... Monaco, Paris, quand... ils avaient une défaite, c'est tout. Paris, quand ils avaient 4 buts contre le Barça. C'est rien, 4 buts. Ah oui, t'as raison. Là, faut faire un petit carreau, ou sinon on repartira encore au bouchon. Ah bah oui. Ils ont perdu. L'équipe t'as Elfric qui sont qualifiés pour les quarts aussi. Moïse. D'accord. Ouais. Celle-là elle est mieux. Ah ouais. Ah, dommage, oh, il était... Ouais mais il était pas bien plus près hein, je pense. Contre Saint-Julien-Saint-Alban. Deux fois en 8e ils ont perdu. Saint-Julien. Ah Saint-Julien-Saint-Alban. C'est un petit club. Saint-Julien-Saint-Alban, le village. C'est très familial. Il y a qui là-bas que tu peux connaître? Grégory Guille. Ça te parle pas? Son époque.
Elle peut le connaître en tant que... Ouais. C'est les mini en tant que féminine, peut-être. Non. Elle avait gagné Rouen cette année. Non, Lyons. Non. Non. Non, c'est vous qui avez gagné. C'est plus le doublette, non, avec Isabelle Juge. C'est Rouen, elles ont gagné. Triplette, Isabelle. Elle s'est bien jouée encore. Bien joué, bien joué. Alors, faut se gratter la tête, est-ce qu'on continue? On fait tirer le pointeur? Pour garder les boules pour le but ou... Je tirerai le but tout de suite, non? C'est ouvert. On va en pointer une. Non, pas de boules, faut quand même en faire jouer une avant de se jeter au but. Ouais. Il faut pointer alors. Bah, écoute, faire un devant ou faire un truc. Pourquoi pas. Voilà. En même temps, il a très bien pointé, il a très bien tiré donc. Bonjour à Marine, il a dit. Loulou le cantalou. Ah ben, un coucou de retour. Dawson, il a joué, mais non, il est pas avec vous, Dawson. Dawson, il a remis, non? Il a remis, Dawson? Ouais. Bah, s'il parle du petit Dawson, Herman, ouais, je pense. Jean-Luc Charles, Marine, bonjour, nous on est à l'apéro. Allez, Mika. Oh, j'ai vu qu'elle est sortie pas droite. Ouais. Il a fauché un peu. Il faudrait que tu fasses pousser, c'est pas grave. Bah, dès que tu mets un peu moins de courbe, tu tombes à gauche. Mieux. Ouh. Ouais. Ah, il a pas joué depuis un petit moment. Là, et puis... tu vas avoir la remontada marquée de partout. Ah. Là, ils vont dire. Très bonne analyse, Marie. Là, ils vont dire. Il est moyen. Eh. Ludo, tu sais ce qu'ils vont dire là? Ils vont dire ce tireur, il est moyen. Non, mais c'est pas qu'il faut rester accroché jusqu'au bout. Bien, c'est ça, faut pas lâcher parce que ça tourne vite. Mais bon, après. Ça, c'est un événement. Et au triplet mix, 8 partout. Pour info. Tout à l'heure, dans le doublette, Michael a tiré le bouchon, ça a tourné la partie. Là, c'est Kevin qui a tiré deux fois, et la peine allait bien. Ouais, mais moi, il y a quand même. Moi, je dis toujours, tant qu'on n'a pas 13, on n'a pas gagné. C'est ça, puis le problème, c'est que. Tiens, à 5 au carreau, là. Ben oui, t'as crocheté encore, moi, là. C'est la troisième aujourd'hui, en deux parties. Ouais. C'est mal vu de la part de Myron. Bah, surtout qu'il n'y a pas besoin de les envoyer comme ça, tu vois. Non, ça sert à rien. Moi, je les envoie. On lui demande en demi-portée. Bah, moi, t'es sûr de pas crocheter déjà. Bah, et puis tu... bah, on va dire que c'est une boule qu'il fallait assurer. Oui, voilà. Le problème, c'est qu'avant de la jouer, il pense l'assurer aussi. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Là, celle-là, elle est importante. Celle-là, elle remet en piste. Hein. Ça va faire 5. 5, 6 à 12. Ça va faire 6 à 12, ouais. 12 à 6, voilà. C'est ça. Donc on n'a pas 13, on n'a pas gagné. Exactement. C'est allez. Ça. Ah ben, il faut se remettre dans la barre. Déjà, la chance que t'as, Mika, c'est que Marine, elle est venue avec les deux plus vilains du boulot de Rome. Donc déjà, tu risques rien. T'as risqué de bien manger. Ah oui. Eh ben voilà, ils sont à mi-partie presque. Eh ben oui. On va démarrer la fameuse 13e mètre. On dit que beaucoup de parties à pétanque se finissent à la 13e mètre. Ouais, mais si tu dis ça au président ça, de Bourg-en-Velin, ça se finit pour oui, nous, alors, oui. Parce qu'ils ont que 6. Et oui, ils vont pas en faire 7. Voilà. Ils avaient eu 7. Je t'aurais dit si c'est 7-13. On va lui foutre qu'il y a des gamelles, Marine. Ça n'existe pas la pétanque. Non, il n'y a pas de gamelles. Ouais. Il n'y a pas de gamelle. Tu sais qu'à la Lyonnaise, il y a longtemps, il y avait le point de mène. Alors en fait, à chaque mène où tu marquais un point, en fait, tu marquais deux points. Quand tu avais 4, tu marquais 5, etc. Ouais, toutes les mènes où tu marquais, en fait, tu marquais un point de plus, sauf si ça te faisait gagner. D'accord. C'était... Mais je te parle de ça, c'est... Voilà, tu étais super pané, là. Les Lièvois, tu connais Sébastien Lièvois? Lièvois, pardon. Lièvois. Non. Bah, allez, Nice. Ah ouais. Nice. Bah, Nice, y avait... ils sont pas tout seuls à Nice, à mon avis. Non. Bien joué, Raph. Ah, bah bien joué, bien joué. Allez, Mika. On va prendre un petit coup de sang. Allez,
Allez, c'est le moment de rectifier cette note là, 6-7 mètres. Ouais, doucement. Ça montre aussi que bon, l'un ne lâche pas. Bravo. Ah, bien, bien rectifié. C'est grave, oui. C'est grave, mais oui, quand t'es pas habitué à les manquer, c'est sûr c'est que. Ça. Ah, puis à côté, au mixte, ils sont 8 à 8. Eh ouais, ils sont. Ouais, ils sont pareils. Hein. Ils avancent doucement, mais ensemble. Bah, le mix, il n'y a jamais eu trop. Si, il y a eu 8-4 le plus gros écart. Et... C'est son Niclo qui parlait tout à l'heure. D'accord. Je sais pas qui c'est, je connais pas. Mika le connu, parce qu'apparemment il a mis un test. Bah, Mika, le problème c'est que c'est la Bible du truc, il connaît tout le monde. Il est très pétant qu'il les compte les mains de nuit. Pas comme toi, Ludo. Ah, il veut que tu l'embauches. Aïe, 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 aïe. Moi, j'aurais pas se retirer tout de suite à cette boule. On va respirer Nice quand même. Hein. J'aurais pas se retirer tout de suite à cette boule. Parce que de toute façon, dans tous les cas, même si tu le gagnes, ouais, t'es ouais, en danger. Ouais, bien sûr. Non, c'est du tout. Puis elle est quand même en plein jeu. Quoi. Ah oui, on tirait la boule, bien sûr. Mais le jeu, c'était presque de tirer la boule tout de suite. Ah, je suis d'accord avec toi. Parce que là, de toute façon, dans tous les cas, même si tu le gagnes, tu t'exposes. Ouais. Après. 934, allez, on serre les cuisses, on arrive à 1000, allez. Putain, c'est où qu'il faut mettre des machins là? Comment ils font les mecs? Merde, j'ai eu un message, je me suis posé. 1033, coucou Ludo, à quelle heure les triplettes? Mais non, il l'a vu tout à l'heure, Fredo, il était là. Et ouais. Samedi prochain, tu viens à 50. Reprise de Calette de suite, ça serait bien, super. Ouais, bah, il a fait mieux que reprendre. Hein. Allez, Romain. Là, ça arrange. C'est ça là qu'il faut bien tirer. Là, si tu fais carreau, tu peux espérer quelque chose. Bien tiré. Ah, c'est bien tiré. Hein. Parce que même si dans la boule d'avance, celui-là il est perdable. Ah, ça serait exceptionnel que tu le regardes. Je te demande depuis combien de temps que tu joues à la pétanque? Moins de 30 ans déjà. Qu'elle joue bien ou qu'elle joue mal? Ça fait une petite dizaine d'années. Bien joué encore, bravo. Ça fait 7 ans que je suis avec Mickaël. Et avant de le connaître, je faisais les mêlées avec mon papa. Donc, oui, tu, voilà. Tu étais déjà avec Mickaël quand tu. Il a fait une finale à l'Europétanque de Nice quand il était jeune. Alors, moi, l'année où on s'est rencontrés, l'enseigner ensemble, non, c'était en, l'année où il a gagné une Mons. On demande combien d'entrées. Où il a gagné le Trophée des Villes. Donc en 2018. Bravo! Comment que Maya dans votre tête, monsieur Lacroix? 8-8 toujours, ça avance pas. 8-8. Je peux pas mettre la main comme ça parce qu'après les mecs ils vont sont capables de faire des photos, des machins que. Non sérieux? Toi tu connais pas toi les ozos là? Ah oui, il y a des mecs qui te font des trucs. Non, mais on rigole, bien. Mais il y en a qui sont capables non, mais c'est vrai, c'est vrai. Ils disent, c'est vrai qu'il y a toujours des. Attends, là, faut toujours. Mais même quand tu parles et tout, faut... c'est compliqué des fois à dire. Il a manqué perdu. Ouais. Allez. Allez. Non, c'est pas la partie décisive. La partie... Enfin, faut gagner les deux triplettes pour vous en blanc. Et c'est manqué perdu ici. On a 1000! On a 1000! Papa, on a 1000! Bravo! C'est important. C'est important parce qu'il le force à devoir bien tirer. 1000 croates. Putain! C'est la première fois que je vois ça, 1000 moi. Sérieux? Point est gagné pour Myron. Ouais. À l'honneur. Allez, Myron. À l'honneur. La première est bienvenue. Bah oui. Est-ce que il a mis les gros petits.
Le boule n'avait pas joué. Il a gagné, bravo. Ah, c'est bien pointé, bravo. Bravo, merci les gars, super bravo. Partie. Marine, merci. Ouais, bah merci. Merci à de nous avoir accompagnés, c'était super sympa. Bah écoute, c'est avec plaisir. C'était super sympa. Avec plaisir, et bah écoute. Et puis au plaisir. Hein. Bah, tu vas revoir. On te dit merde pour ton 3ème France. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc, ça sera le 25 et 26 juin ou 24 et 25 juin à Saint-Flour. D'accord. Mais nous. Donc, nous encourager. Ouais. Non, il y a le National de Moisieu. Nous, en jeune, je suis désolé, on sera pas là. Ouais. Bah, c'est pas grave. Mais ça, National loin, jeune. Loin, hein. Où c'est que nous, on peut se voir du coup Moi, on va commenter où comme ça, avec. Ouais. Ok, super. Bon, bah, j'y serai. Puis Mika aussi. On se voit à 7. Allez. Merci, Marina. Merci. Marine pour, super sympa.